une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur EZAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo de cette semaine pour lequel je reçois pour vous Distel Amoussou. Il est chroniqueur analyste politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison des services spéciaux ADLSS. Il est face à l'un des vice-présidents du parti politique Les Démocrates en la personne de Eugène Azatassou. Nous parlerons des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la Cour constitutionnelle au cours de cette semaine. Nous parlerons également de la garde à vue de Joël Frédéric Aïva. Sans plus tarder, sans discourir, on le retrouve dans un court instant pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Distel Amoussou. Bonjour. Bonjour Kardec, bonjour amis internautes. Vous êtes face à Eugène Azatassou, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci et merci pour votre invitation, pour votre constance à m'inviter sur ce plateau, donc pour votre courage. C'est un plaisir partagé. Alors Distel Amoussou, la Cour constitutionnelle a rendu public ses résultats provisoires qui consacrent l'élection du duo Talata au premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. D'entre deux jeux, dites-nous quelles sont les impressions que vous avez, quels sont les sentiments qui vous ont animés suite à cette proclamation de la Cour des Sept Sages qui fait suite à celle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Mes impressions sont bonnes pour le peuple béninois, pour le développement du Bénin. Mes impressions sont bonnes pour la vitalité de la démocratie béninoise. Mes impressions sont très bonnes parce que, malgré tout, les Béninois ont voté. Et ils ont clairement et nettement choisi l'option du développement. Ils ont à nouveau donné, composté le billet du président Patrice Talon et cette fois avec sa colistière Madame Talata. Et ce faisant, j'ai comme l'impression où je me convainc à découvrir que petitement mais sûrement, les Béninois sont en train de s'approprier la démarche développement que le président Patrice Talon a initiée il y a 5 ans. Petitement ou assurément, les Béninois sont en train d'adhérer au nouveau concept, celui du développement dans un environnement démocratique. Je suis donc fier d'être Béninois, mais il reste que, à l'arrière-plan de ma gorge, il y a une os. Il y a quelque chose de très amer. Je reviens par rapport à ce qui est dans votre gorge. Est-ce que Eugène Azatassou est également fier du déroulement de ce scrutin présidentiel? Merci beaucoup. J'ai bien envie de dire tout ça pour ça. Après avoir occupé l'ensemble du pays pendant la pré-campagne, soi-disant pour des tournées de reddition de comptes et tout ça, toutes les communes ont été parcourues où il a été clairement dit « Oui, nous avons fait ça, mais nous vous promettons ceci. » C'était de la pré-campagne pure. Après avoir occupé tout le pays presque tout seul pendant la campagne et après avoir exclu les opposants véritables, après avoir pourchassé, après avoir emprisonné, se retrouver avec un scrutin avec tous ces relents de fraude, tous ces relents de bourraille d'urne, se retrouver après tout ça avec un scrutin de ce type, je dirais que je suis pas fier d'être dirigé par un groupe de ce type dans le pays qu'on appelle le Bénin. Et moi, ce que je voudrais surtout féliciter, c'est l'ensemble du peuple béninois qui a fait preuve, qui a démontré
qu'ils comprenaient très bien ce qui se passe par un boycott massif, même si ça a été habillé par la suite. Un boycott massif, selon vous. Est-ce que Dissel Amoussou, avant de parler de ce tos qui est dans sa gorge, est-ce que Dissel Amoussou pense qu'il y a eu un boycott massif? Et qu'avez-vous à dire face à ces vidéos qui ont été virales sur la toile, qui parlent ou qui évoquent quand même un cas de bourrage d'urne, avec également ces audios qui ont circulé sur la toile et qui évoquent le nom de députés qui auraient quand même été de véritables acteurs de cette fraude qui est incarnée par des bourrages d'urne? Manifestement, l'imposture se dévoile. Et je ne sais au nom de quoi pousse-t-on l'outrecuidance à parler au nom du peuple. Je n'en vois pas le mandat. Et je voudrais m'interroger même sur lequel des peuples parle-t-on. Est-ce que c'est le peuple qui est sorti à plus de 50% pour aller exprimer malgré tout son vote? Est-ce que M. Azatasu est en train de parler de ce peuple qu'ils ont terrorisé, qu'ils ont martyrisé, qu'ils ont tué? Ou alors, de quel peuple parle-t-on si ce n'est de l'imposture? Je crois que ce que j'ai en face de moi m'inspire peine. Il m'inspire peine simplement parce que on ne peut pas vouloir, dans un jeu démocratique, du pouvoir et armé des mercenaires, armé des personnes dites chasseurs, contre les institutions de la République, contre les symboles de la République et contre ses frères. Je n'ai pas la grande forme ce matin. Est-ce que selon je ne ferai vous, pas beaucoup de développement. Est-ce qu'il y a eu de bourrage d'urne? Est-ce qu'il y a eu de fraude? Voilà des personnes qui sont inconséquentes sur toute la ligne. Vous refusez d'aller participer à un scrutin. Et vous vous intéressez à ce qui se passe ou ce qui s'est passé lors de ce scrutin-là. J'ai comme l'impression que l'irrationnel intelligente a déserté le camp d'une opposition malade. Malade de ses intérêts. Parce que regardez-les. Regardez ces personnes. Toutes ont été aux affaires. Toutes, autant qu'elles sont, ont été aux affaires. Et c'est des personnes à qui le biberon a été arraché depuis maintenant 5 ans. Et c'est des personnes qui se battent tous les jours pour la reconquête de leur position d'alors. Pour le biberon, simplement parce qu'elles s'étaient donné un mode de vie, un train de vie qui dépassait la normale. Qui dépassait la et normale. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour finir, ils n'ont plus, ces personnes n'ont plus les moyens de leur subsistance ou la subsistance des nombreuses maîtresses ou d'enfants égarés dans les contrées du pays. Alors, Eugène Azatasu, Dissel Amoussou a ouvert le bal en ce qui concerne les violences électorales qu'on a eu à observer du 6 au 11, j'allais dire, avril dernier. Des sympathisants et partisans du Parti politique Les Démocrates ont lancé ces appels-là, ont appelé à manifester. Eugène Azatasu, vous avez quand même un parcours politique avant d'échouer à Les Démocrates. Est-ce que ces appels sont dignes de Béninois? Et est-ce que ce que vous avez vu dans votre pays, le Bénin, qui se sont déroulés les 6, 8, 7, 9 et 10 avril, voire 11 avril, est-ce que cela était digne du Bénin? Très bien. Mais je fais d'abord le constat que mon vis-à-vis à esquiver la question des fraudes, notamment les fraudes constatées par vidéo et les fraudes constatées par déclaration d'un honorable député. Il a esquivé ça
pour se concentrer sur ceux qui sont mal, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont etc., etc., etc. Non. Vous voyez, on ne peut pas prendre ce qui s'est passé en les sortant de leur contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est le contexte d'un président de la République du Bénin qui a dit devant Dieu et devant les hommes qu'il allait compromettre la paix. C'est ça le contexte. Pour garantir les temps à venir. Et qui a fait. Bon, d'accord, d'accord. Pour lui, pour garantir les temps à venir, il faut compromettre la paix. Très bien. Si on compromet la paix, on a quoi? Vous comprenez? Et ce n'est pas seulement dit. Les actes ont été posés dans ce sens. Les actes ont été posés pour effectivement compromettre la paix, en excluant à tour de bras, par des artifices, par des tours de passe-passe, un certain nombre de chapelles politiques. Toute l'opposition pratiquement. Mais ça là, c'est facteur de paix? Ce n'est pas facteur de paix. Et quand on a dit ça, et quand on a fait ça, on est premier responsable de tout ce qui s'est passé. Parce que quand vous avez dit ça et que vous avez fait ça, il y a des gens qui peuvent dire, bon, tant mieux, tant pis, bon, c'est dit comme ça, c'est fait, Dieu viendra. Mais il y en a qui ne sont pas de cet acabit et qui peuvent, dans ce contexte-là, lorsque le pouvoir est confisqué, lorsque le pouvoir d'État est confisqué, il y en a qui n'acceptent pas. Et on ne peut pas, et ce n'est pas avant de revenir à Dissina Moussou, j'ai bien eu de vous poser une question. Lorsque le Parti des démocrates candidatait pour l'élection présidentielle, est-ce qu'elle n'avait pas pris en considération que la Constitution qui consacrait l'élection présidentielle pour le 11 avril avait effectué une rallonge de 46 jours pour le chef de l'État? Parce que les manifestations ont eu comme mobile le fait que Patrice en a prêté ses mains le 6 avril, et donc le 6 avril après, 5 ans, c'est 5 ans. Je vais vous dire, j'ai déjà dit ici, mais je vais le reprendre. Lorsque vous êtes dans un pays et que vous êtes démocrate, lorsque les lois sont mauvaises, les lois sont faites par calcul pour exclure, les lois sont iniques, vous les combattez. Mais lorsqu'il s'agit d'en appliquer, vous appliquez dans la mesure de votre possibilité. Parce que vous n'allez pas vous créer un État avec vos lois. Vous comprenez? Bon, maintenant, c'est pour dire que avoir déposé des candidatures ne signifie pas renoncer à combattre l'État de fait. Cela ne signifie pas ça du tout. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie? Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie? Ensuite, il n'y a pas d'antinomie, c'est ce que je viens de vous expliquer. Lorsque les lois sont adoptées et que vous n'êtes pas d'accord, vous les combattez dans la mesure du possible, dans la mesure de vos possibilités, mais quand il s'agit de les appliquer, vous les appliquez dans la mesure de vos possibilités. Je vais vous dire une chose. Oui, lorsque vous avez payé toujours 150 francs au poste de péage pour passer, lorsqu'on amène à 300, vous n'allez pas vous murer à Cotonou pour dire tant que ce ne sera pas 150. Mais est-ce que c'est une raison pour détruire le poste de péage? Je vais vous dire. C'est donc ça. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que c'est une confusion totale installée par l'état de choses. Même si l'on acceptait cette révision de la Constitution, cela n'amenait pas automatiquement au prolongement du mandat. Vous comprenez? Nous, on a dit non. Même la révision, c'est une confusion totale. Même la révision de la Constitution, que nous n'acceptons pas. Mais même si elles étaient acceptées, c'est le président élu en 2021 qui finirait en mai 2026. Ce n'est pas celui qui est élu en 2016 sur la base d'une constitution sur laquelle il a prêté serment, qui se prolongerait le mandat. Donc c'est ça, vous n'êtes pas un spectateur, mais c'est tout un embrouillamini. Lorsque vous dites que vous participez à l'élection le 11 avril et que Patrice Talon doit partir le 6 avril, alors du 6 au 11, qui est chef d'État? Qui est au pouvoir? Si c'est que on devait accéder à votre requête d'alors. Du 6 au 11,
Celui qui est au pouvoir, c'était M. Patrice Talon, mais il a usurpé, il ne devait plus être au pouvoir. Il ne devait plus être au pouvoir, c'est pour cela que usurpé, des péages ont été détruits, que l'on dénonce, des biens privés ont été détruits, nous avons vu des domiciles privés saccagés. Bon, si vous voulez, radio. Si vous voulez, j'ai dit, le premier responsable de cela, c'est celui qui a décidé délibérément de créer la confusion. On vous aura compris. Distel Amoussou, vous avez suivi tout à l'heure Genèse Atassou qui vous lance le pic de ce que vous avez esquivé. Une question, celle relative à la fraude, celle qui évoque quand même également un honorable député qui serait auteur de bourrage d'urne. Distel Amoussou, est-ce que vous avez eu vent effectivement de cette situation en tant qu'investigateur? Est-ce que vous avez creusé? Est-ce que vous avez eu des informations pour vous permettre quand même de fonder un argumentaire riche? Avant, je suis peiné de devoir relever les limites de l'incongruité dans le discours que j'ai entendu tout à l'heure. Et je voudrais prendre M. Azatasu comme modèle de père de famille qui, en début d'année, a dit à ses enfants, en présence de leur mère, « Écoutez, cette année scolaire, les meilleurs qui vont travailler et qui vont produire de bons résultats bénéficieront des périodes de vacances au parc national de Pendjari. » Et à la fin, n'est-ce pas, de l'année scolaire, et il s'est trouvé, mettons, 3 sur 5 enfants, sur une fratrie de 5 enfants, qui ont franchi le pas et qui ont travaillé. Et comme cela avait été déterminé et souhaité, M. Azatasu envoie les 3 qui se sont donné la peine de travailler au parc national de Pendjari pour leur séjour en vacances. Maintenant, les 2 autres, n'ayant pas pu franchir le seuil de la réussite, se fâchent et crient à l'exclusion et décident d'incendier la maison, décide de saccager les biens de la famille au motif que eux aussi sont natifs et portent le patronyme Azatasu. Et je découvre mon aîné, mon doyen Azatasu en train de défendre aujourd'hui ce comportement-là sur votre plateau. C'est triste. On me parle de fraude massive. Oui, j'ai vu des vidéos de personnes conscientes qu'elles étaient en train d'être filmées et qui estampillaient des bulletins. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi écouté le gouvernement du Bénin à travers le directeur de la communication à la présidence de la République et 2 ministres, le ministre Alain Auron là et le garde des Sceaux, donner des explications par rapport à cela. Et dire que les enquêtes se mèneront et que les auteurs seraient identifiés. Justement, à ce titre, Distel Amoussou, est-ce que vous pensez que des fraudeurs peuvent avoir à l'esprit de vouloir frauder? Parce que quand on veut frauder, c'est qu'on le fait en cachette. Est-ce qu'on peut vouloir frauder et se laisser filmer? Vous savez que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous comprenez que les amis d'en face qui se sont donné la peine d'aller recruter des mercenaires, d'aller recruter des personnes dites chasseurs dans des pays voisins et au plan local, ces personnes qui ont fait voyager de mécréants depuis certaines communes que je ne voudrais pas stigmatiser jusqu'à Cotonou, à Calavi, qu'elles ont hébergé, nourri, à qui elles ont confié des missions, vous les avez vus. Vous avez entendu une dame, anciennement ministre dans ce pays, dire sur la toile qu'il faut sortir de l'argent, qu'il faut financer les chasseurs contre une armée républicaine qu'elle traite d'armée inconsciente, qu'il faut tuer les gens. Mais lorsque des personnes de l'âge de M. Azatasu en viennent à défendre ces choses-là,
je suis peiné. Et je n'ai plus envie de poursuivre ce débat. Parce que c'est un débat malsain. Et si nous étions dans une république de dictature, comme le prétend aujourd'hui sur votre plateau, M. Assatassou, il ne serait pas libre de ses mouvements. Parce que l'un des responsables de son parti, les démocrates, je veux citer nommément le docteur Kitty, a lu une déclaration, un appel solennel, officiel, public au soulèvement, à l'insurrection populaire. La bande existe, le communiqué existe. La bande existe, le communiqué existe. Mais dans ce cas-là, comment Eugène Assatassou, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes partisan de ce qui s'est déroulé à Savé, à Tcharo, à Banté? Je vais vous dire. Est-ce que vous avez eu vent de ceux qui ont été découverts spectaculairement au domicile du juge démissionnaire Batamoussi? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous êtes au courant du fait que dans vos rangs, on aurait recruté des halogènes pour venir troubler le scrutin? Ce qui est dit là, ça ne me surprend pas. Parce que tout ce qui a été fait, ça doit nous être mis sur le dos. Parce que on a dit que lorsqu'on veut voler, on se cache. Mais on ne se cache pas quand on est entre voleurs. Les personnes qui faisaient ça étaient sûres que l'opposition était exclue, que tout le monde était, qu'il n'y avait personne qui pouvait. Alassane Soumanou Dimba n'est pas de l'opposition selon s'il vous, vous plaît. Non, non, laissez tomber ça. Mais eux, ils ne sont même pas partout. C'est ça qui a été dit. Mais dites-moi. Non, non, vous savez que depuis là, je me suis abstenu. Oui, voilà. Mais lorsqu'on va sortir des. Vous aurez le temps de réagir. Il n'y a plus d'observateurs au cours du scrutin, il n'y a plus d'observateurs. Alors, je vous reviens. Lorsqu'on est entre soi, on ne se méfie pas. C'est ce que le gouvernement a oublié de préciser. Lorsqu'on s'est entendu. Est-ce que vous avez écouté Alassane Soumanou Dimba? Est-ce que vous avez écouté Quentin Corcoran? Lorsqu'on est ensemble et qu'on a décidé de faire quelque chose ensemble, je ne me méfie pas. L'honorable député, quand il parlait, il ne pouvait pas savoir que parmi ceux dont il était sûr que, bon, il n'y aurait aucun problème, que quelqu'un pouvait enregistrer, faire passer sur la vidéo. Ce n'est pas Assatassou qui est parti faire ça. Vous comprenez? C'est pas moi qui. Si moi, jamais mis pied dans la salle, il n'aurait pas dit ça. Vous comprenez? Donc, non, non. Tout ça prouve que le peuple béninois, même dans leur propre camp, ceux qui ont été recrutés et dont on était sûr, ils ne pouvaient pas être sûrs pour tout ça. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est un rejet massif par l'ensemble du peuple béninois. Donc, non, ils ont cru qu'ils étaient entre eux. Et que ça ne pouvait pas. Maintenant, les actes qui ont été posés, j'ai dit, c'est regrettable. Ah, vous l'avez dit quand? Sur ce plateau-là? Sur ce plateau, peut-être que je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai dit par ailleurs. Maintenant, dites-le. J'ai dit par ailleurs. Dites-le. Pour l'amour, pour le sang. Béninois que vous portez. Non, monsieur Assatassou, dites-le. S'il vous plaît. Vous avez fait couler. Monsieur Assatassou. Dites-le. Monsieur Assatassou. Blâmez ce comportement-là. S'il vous plaît. Au nom de votre nationalité. S'il vous plaît. C'est peut-être moi qui vais maintenant amener le débat si je ne peux pas parler. Alors, allez-y, Eugène Assatassou. Non, je dis. Mais le premier responsable de cela. Celui qui a occasionné, quand un soulèvement populaire se crée dans une circonstance donnée. Est-ce que dans le cas d'espèce, c'est un soulèvement ou une rébellion? Parce que c'est un soulèvement populaire. Parce qu'on a vu des gens armés. Ah oui, je pose la question, s'il vous plaît. Est-ce que on peut parler de soulèvement populaire lorsque des personnes étaient armées? Vous savez. Il m'est parvenu. Est-ce que c'est au nom du. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, je peux parler. Oui, allez-y. Il m'est parvenu ce soir-là que des personnalités de la mouvance ont mêlé de la milice aux manifestants. Des miliciens armés ont été mêlés aux manifestants. C'est ce qui est parvenu. Oui, des miliciens armés ont été mêlés aux manifestants et ont commis des actes
qui pouvaient être mis sur le compte des manifestants. C'est un système de défense qu'ils ont adopté. Dans la foulée, Joël Frédéric Aïvo, il a dit le procès Joël Frédéric Aïvo, bon. Est en garde à vue. Oui. Pour les faits que nous déplorons ce matin, est-ce que vous avez été en contact depuis qu'il est en garde à vue? Est-ce que vous avez vu des circonstances de sa garde à vue? Et qu'est-ce que vous pensez de cette arrestation? Non. Et actuellement, il y a une arrestation massive, des poussées à l'exil de façon massive. Donc que Frédéric Joël Aïvo soit arrêté, moi, c'est une demi-surprise. Puisqu'on arrête à tour de bras. Et on met sur le compte du terrorisme toute réunion d'opposition. Par conséquent, moi ça a été juste une demi-surprise. J'ai dit, ah bon, ils sont arrivés à lui. Ils l'ont pris lui-même, lui aussi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je me suis dit. Avant de retourner vers la ressource, est-ce que vous ne pensez pas que, bien que vous appartenez peut-être à la même obédience politique, est-ce que vous ne pensez pas ou vous n'insinuez pas qu'il y ait peut-être parfois des entreprises politiques qui visent à être mises en œuvre, mais pour lesquelles vous n'êtes pas au courant? Non. Est-ce que vous pensez être au courant de toutes les entreprises? Il n'y a pas d'entreprise politique mise en œuvre. Il n'y a que la dictature s'est installée dans notre pays. Et la dictature, c'est quoi? C'est l'accaparement de tous les leviers de l'économie, l'accaparement de toutes les institutions, la création de complots fictifs pour pouvoir emprisonner, pousser à l'exil. C'est ça les caractéristiques de la dictature. Et c'est ça qu'on est en train de constater. Ça se met en place. On invente des choses pour mettre les gens en prison. Vous avez dit que si on était dans un pays... chose que je ne serai plus libre. Bah, d'accord, très bien. Ce sera un de plus. Ce qui pourrait conduire, par exemple, à votre interpellation, si on était dans un état de dictature, c'est de venir affirmer des choses dont vous ne pouvez pas rapporter les profs sur un plateau de télévision. Alors, vous veniez de dire tantôt. Nous avons parlé de Joël Aïvo. S'il vous plaît. Vous venez de dire tantôt. Oui. Que dans ce soir-là, qui vous est revenu que des personnalités politiques de la mouvance auraient mêlé de la milice aux manifestations, milice armée aux manifestations. Oui. Monsieur Azatassou, je vous mets au défi de m'en donner la moindre preuve. Bon, ça là, c'est clair que je n'ai pas attrapé un milicien ligoté mis dans ma chambre. Mais j'ai parlé de ce qui m'est parvenu. Ça s'est fait apparemment. Est-ce qu'un responsable politique a... Parce qu'un étudiant appréhendé a dit qu'il a été appréhendé par des miliciens armés et qu'ils l'ont conduit à la police. C'est écrit. J'ai le test. Est-ce qu'un responsable politique... Si vous comprenez, si vous ne pouvez pas... Vous rapportez des faits, c'est ça? Je rapporte des faits. Ok, Dissel Amoussou. Vous êtes devenu un racoleur. Dissel Amoussou. Dissel Amoussou. Pas de jus, s'il vous plaît. Vous avez Dissel Amoussou. Très bien. Non. Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui, très bien. Alors, une très personnalité bien. Politique du rang de M. Azatassou n'avance pas des incongruités colportées sur les radios sociaux. On ne m'intimide pas. Colportées sur les réseaux sociaux. Faites ce que vous voulez, c'est une question. On ne m'intimide pas. Alors, c'est une Amoussou, question. Nous parlons de Joël Aïvo pour progresser dans le débat, s'il vous plaît. Oui. Oui, vous voulez savoir quoi? La question qui vous est posée. C'était laquelle? Vous ne suivez pas le débat, dit-il. Non, parce que je suis dépassé. Je suis dépassé par les énormités qui sont véhiculées là. Il n'y a pas d'énormité, puisque vous aussi, vous dites des choses non, qui ne sont pas d'avis. Je dis, on ne peut pas, un homme politique vous ne partagez pas les avis. Alors, ne peut pas par venir rapport au professeur Joël Aïvo, par rapport au professeur Joël Frédéric Aïvo, qui a été interpellé et gardé à vue, est-ce que vous pensez que cette interpellation, les procédés, la procédure paraît conforme aux normes? Je n'ai rien à penser. Il y a les officiers de police judiciaire qui font leur boulot, il y a la justice qui fait son boulot, et lorsqu'un dossier est en cours d'instruction, je ne me vois pas fondé sur votre plateau à en débattre. Mais est-ce que le moment de cette arrestation est propice? Il n'y a pas de moment pour arrêter l'axe du mal. Il n'y a pas de moment pour arrêter le mal. Nous revenons de très loin. Parce que lorsqu'il n'a pas été possible, par exemple, s'il n'avait pas été possible de trouver des moyens de déplacer, n'est-ce pas, le matériel électoral dans cert-
certaines communes de notre pays, le Bénin serait aujourd'hui dans l'impasse. Et c'est l'impasse que ces personnes-là voulaient pour ce pays. C'est l'impasse que ces personnes-là voulaient. Et quand c'est comme ça, un État responsable mène ses enquêtes, identifie les personnes qui répondent devant la rigueur de la loi. Voyez-vous, écoutez, un officier de police judiciaire peut aller me chercher à la sortie de ce plateau pour les besoins de l'enquête. Par exemple, pour certaines de mes déclarations, il m'appartient d'éclairer la lanterne de l'officier de police judiciaire. Et ça n'est pas de la dictature, c'est le droit. Voyez-vous? Alors donc, qu'on n'aille pas vite en besogne ou trop vite en besogne. Merci à vous, Dissela Moussou. Nous allons progresser dans le débat, Jeanne Azatassou. Merci également pour vos opinions dont vous avez fait part ce matin au cours de cette émission. Patrice Talon est réélu, en tout cas selon les résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat, confirmé et consacré par ceux de la Cour constitutionnelle jeudi dernier. Alors, Jeanne Azatassou, quels sont les défis qui s'impose à Patrice Talon aujourd'hui pour qu'il y ait beaucoup plus un climat plus pacifié? Ah, bon, les défis qui s'imposent à lui, je m'aimerais plutôt parler des défis qu'il se donne et qui sont visibles. C'est les arrestations à tour de bras, les contraintes à l'exil, les massacres des populations, et l'exclusion. C'est-à-dire que considérer que les opinions défavorables font partie des opinions de l'axe du mal, c'est-à-dire la coupure du Bénin, au lieu de sa réconciliation. Vous comprenez? La coupure du Bénin. Non. Ce qu'il, aujourd'hui, dans le climat d'aujourd'hui, dans la gouvernance d'aujourd'hui, par rapport aux institutions mises en place par la Conférence nationale, par rapport à la pratique qui est faite aujourd'hui, qui a tourné le dos complètement aux idéaux de cette conférence, c'est du fétichisme, ça. C'est que l'on se rasseye pour se redéfinir le... Justement, le jour du vote, le président Patrice Talon a donné ses impressions. Bon, mais donc, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise qui est son défi, finalement? Je pense qu'il a choisi de foncer tête baissée dans ce qu'il est en train de faire parce qu'il estime qu'il a assez de ressorts en matière de ruse, en matière de rage, pour faire plier tout le monde. Bon, le peuple béninois, s'il aime ça, s'il... si c'est ça qu'il veut, à plus de 50 000. Alors, laissez tomber les 50 000. Vous êtes, ça fait rire. Dans un passé récent, vous étiez partisan, pour ne pas dire, vous êtes toujours partisan de l'ancien président Thomas Boniaï, qui, quand il était au pouvoir, avait mis en garde toute personne qui prendrait la rue pour semer du désordre, parce que la République a des lois et il faut respecter les lois de la République. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné que, au sein de cette opposition, qu'on qualifie, d'opposition radicale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu de radicalité dans votre posture? Est-ce que vous ne pensez pas que vous en faites un peu de trop et qu'il faut un peu raviser votre posture ou carrément revoir un peu les rapports de force politique? Notre posture dépend de ce qui est fait en face. Si vous avez une posture qui ne tient pas compte du tout de la façon dont le pays est géré, de la façon dont vous êtes considéré, de la façon dont on envisage l'avenir du Bénin, si vous avez une posture qui ne dépend pas du tout de ça, alors vous n'êtes pas politique. Vous n'êtes pas politique. Ou carrément, est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous êtes composé, votre composition a une allure hétéroclite, parce qu'on a comme l'impression que certains défendent par exemple la bonne gouvernance, alors qu'à côté, il y a des gens envers qui la conscience collective a des soupçons de mauvaise gouvernance et de corruption. Est-ce que cela n'est pas dû également à ce fait-là que vous ne partagez pas les mêmes idéologies de gouvernance, de développement et bien d'autres? Non. Je vais vous dire, l'opposition, effectivement, si on elle était... Elle est hétéroclite. Attendez. Elle est en pièce détachée. L'opposition, si on était... on avait les mêmes vues sur tout, on serait un parti. L'opposition, il y a des conceptions diverses. Des nuances d'appréciation. D'intérêt. Des nuances d'appréciation. Des nuances d'intérêt. Bon, les intérêts,
c'est plutôt de votre côté, les intérêts affirmés et du Moussou, on va laisser de votre côté. Fini. Bon, donc, il y a des nuances d'appréciation sur un certain nombre de choses. Mais toujours est-il que ce dont on est certain, c'est que le pouvoir actuel utilise... La ruse, la rage. Utilise l'État, la justice et tout pour se réduire l'opposition. Et par rapport à ça, on peut inventer quantité de choses. Je peux sortir de là, on peut dire, on peut trouver une bonne raison. Bon, lui, il en a déjà trouvé, que ce que j'ai déclaré sur le plateau. Mais on peut trouver quantité d'autres choses. Que ça ne vous surprenne pas, on va m'installer. Mais finalement, les prisons, vous n'allez pas les agrandir, ça ne fait pas partie du page. Agrandir les prisons. Dicelle Amoussou, pour être beaucoup plus sérieux, le général d'Atatou venait nous offrir un petit sourire. Dicelle Amoussou, quels sont les défis aujourd'hui qui s'imposent à Patrice Talon pour un climat plus pacifié? C'est la poursuite, n'est-ce pas, de l'élan du développement. Parce que pendant 30 ans, nous avons crié démocratie, nous avons exploité tout ce qu'il y a comme contour démocratique, nous avons remué le concept dans tous les sens, mais nous n'avons jamais pu nous offrir ou nous produire un seul kilowatt d'énergie électrique depuis, 1960. Le Bénin n'a jamais pu se l'offrir. Aujourd'hui, nous avons, un taux de production qui avoisine, n'est-ce pas, notre besoin énergétique. Le défi, c'est de pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, l'accession à l'eau potable à tous les Béninois. Où pourrait-il se retrouver? Et le président Patrice Talon, lors de la campagne, a dit « Oui, il faut faire les routes sont là, les marchés sont là, l'eau potable est là, l'énergie, le courant électrique est là, mais on ne boit pas que l'eau, on ne se gave pas de bitume, on doit pouvoir manger aujourd'hui. » C'est le nouveau défi que le président Patrice Talon s'est lancé. Et ceci, il a matérialisé par un processus de pouvoir sortir, n'est-ce pas, les plus pauvres de la pauvreté. Ainsi, dans ce nouveau projet, aujourd'hui, lorsque vous avez un projet, il est établi que vous êtes le meilleur artisan du coin, le meilleur soudeur, le meilleur coffreur, et que vous avez un projet, et que vous n'avez pas la possibilité d'aller vers les banques qui vous demandent, n'est-ce pas, des garanties, l'État se porte garant pour vous, et met, n'est-ce pas, cette garantie-là à la disposition de la banque pour vous permettre de capter des ressources et exécuter votre projet. Voyez-vous, c'est cela. Il faut aller pas par pas. Poser chaque fois un pas et surtout garder gagné chaque pas effectué. Mais là, vous parlez du programme d'action du gouvernement, mais sur le plan politique, Dicelle Amoussou, est-ce que vous ne pensez pas que le président Patrice Talon, au-delà de ces réformes-là qui sont salutaires et salvatrices, j'allais dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des pas sur le plan politique qu'il doit poser pour quand même permettre... Tout à fait. Parce que, comme le dit quand même un internaute, l'excès en toutes choses nuit. L'excès en impopularité peut être quand même corrosif au régime. Tout à fait. Monsieur Azatasou, du retour, n'est-ce pas, des vacances avec les trois de ses meilleurs enfants qui ont pu, n'est-ce pas, franchir le seuil de la réussite, à qui il avait promis, n'est-ce pas, cette partie-là. Lorsqu'il va revenir, oui, les enfants ont menacé d'incendier, les deux autres ont menacé d'incendier la maison. Ils ont menacé de saccager, ou ils ont même saccagé, ils ont commencé par incendier. Ce n'est pas pour ça que M. Azatasou va les renier, ou va les déshériter. Non, M. Azatasou les appelle. Mais faudra-t-il que le discours de ces enfants-là soit un discours clair. Si c'est des enfants qui vont s'acoquiner avec la pègre pour attenter à l'existence même de la charte familiale, il y a problème. Donc, j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, et éviter, n'est-ce pas, la classe plurielle qui constitue l'opposition en lambeaux, en pièces détachées aujourd'hui, de s'asseoir et de nous produire ce que j'appelle le mémorandum. Parce qu'ils disent, je le perçois en écho dans mes oreilles, ils disent,
Il faut restaurer, n'est-ce pas, l'état de droit et la démocratie. C'est un discours. Je voudrais en avoir le contenu intellectuel, consigné dans un document. Il y a plein de cadres, professeurs émérites parmi eux. Je voudrais en avoir, n'est-ce pas? Ils disent qu'il faut un dialogue politique national. Je voudrais en avoir le contenu, leur proposition de contenu intellectuel. Qu'ils nous disent le timing, les personnes ou les structures qui doivent s'asseoir autour, n'est-ce pas, de cette table ronde-là, n'est-ce pas? Et ils nous disent l'objectif, voyez-vous. Il faut qu'ils nous proposent un plan économique parce qu'ils sont en train de désinguer, n'est-ce pas, la champagne structurelle économique. L'accaparement. Aujourd'hui, voilà. D'accord, l'accaparement. Je le leur concède. D'accord, mais qu'ils nous disent, qu'ils nous proposent, n'est-ce pas, dans un mémo, n'est-ce pas, le contenu réel. S'ils veulent que la conférence à laquelle ils appellent soit l'occasion de tout débattre, eh bien, nous allons tout débattre. Mais s'ils veulent que ce soit l'aspect politique d'abord, restaurer quoi, la démocratie, ou c'est l'aspect économique, nous allons en débattre également. N'amalgamons pas. Lorsque vous n'avez pas une identité intellectuelle à travers votre lutte, c'est que votre discours va à huer à dire, Eugène Azatassou, l'un des gros griefs qui vous est fait pour la plupart des opposants, c'est que tout ce que vous dites généralement, c'est au sujet de l'état de droit, de la démocratie, mais il n'y a pas de commentaire sur les options de gouvernance, sur les performances économiques observées par le régime Talon, sur les routes qui sont effectuées, sur les prouesses qui sont réalisées dans l'accès à l'eau potable au niveau des populations dans les contrées, sur les réformes qui sont prises pour quand même permettre au pays d'avoir une autonomisation énergétique et même d'en vendre. Pourquoi on ne vous entend pas beaucoup plus sur cela, mais beaucoup plus sur ce que les gens parlent, ce que les gens qualifient de démocratie élitiste, parce que la démocratie, en réalité, elle n'a jamais été au tréfonds des populations, mais généralement avec vous, l'élite, qui, lorsque ça va entre vous, c'est que la démocratie se porte bien. Très bien. Ok. Mais dites-moi, lorsqu'on a imaginé la décentralisation, ce n'est pas une descente de la démocratie au sein, à la base. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? On a recommencé à désigner les maires. Vous n'avez même pas pu désigner un seul chef lieu de département. Vous n'avez pas pu. Donc, vous n'avez pas pu désigner un seul chef lieu de département. Est-ce que je peux continuer de parler? Très bien. Non, nous avons des vues claires. Vous aurez votre temps de parole. Nous avons des vues claires sur tous les points énoncés, que ce soit économique, politique et social, par rapport à ce qui devrait être fait. C'est parce que nous avons nos vues, nous avons des vues claires. Qu'en 10 ans, vous n'avez pas pu désigner un chef lieu de département. Eux, ils ont pris le Bénin au moment où Adam et Ève, qui est dans l'état où Adam et Ève l'avaient connu sur la terre. Il n'y a eu rien. Ils ont pris le Bénin à cette étape-là. Et vous voulez qu'on suive ça? Donc, nous avons des vues claires. Mais encore faut-il qu'on se réunisse. Encore faut-il qu'on se parle entre nous. Si vous faites une réunion, vous êtes des terroristes. C'est pour ça que c'est important, la liberté. Et si nous avons des vues, nous ne pouvons pas dire que ces vues-là sont automatiquement les vues que doivent adopter le Bénin. Mais il faut les confronter avec d'autres vues pour que le peuple béninois choisisse. C'est pour ça que la démocratie, pour que le peuple béninois choisisse ce pour lequel il veut être, c'est par lequel il veut être dirigé, effectivement. Ce sont les fainéants qui perdent le temps à se réunir tout le temps. Alors, ce sont les fainéants qui perdent le temps à se réunir tout le temps. J'ai lu sur la toile un Donc, vous suivez quelqu'un, quand lui dit c'est terminé, nous on ne peut pas faire comme ça. On est obligé de confronter nos idées. Il faut se réunir. C'est pour ça que vous nous empêchez de nous. Depuis 30 ans, vous êtes réunis. Depuis 30 ans, vous êtes réunis. J'ai lu sur la toile un jeune béninois qui vit hors du pays, qui dit qu'une opposition qui ne fait que balayer du revers de la main tout ce qui est fait par un régime est une opposition contre une personne et non comme un système de gouvernance, parce qu'en 5 ans, il y aura forcément quelque chose de salutaire qui a été accompli par le gouvernement Talon. Est-ce que selon vous, Eugène Azatassou, pardon pour l'erreur, est-ce que vous pensez que depuis 2016 à 2020, quand on nous enferme dans ce débat-là,
c'est pour nous conduire à l'abattoir, je vais vous dire. Si on dit, on va faire par exemple les assises, mais on fera le point de ce qui a été fait. Et c'est à partir de ce qui est bien fait qu'on va progresser. Mais quand vous ne pouvez pas vous réunir... Qui va convoquer les assises? Quand on, ben ça là, il suffit que l'on prenne un certain nombre de mesures, ça va être décidé. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut pas vous traiter de parano parce que chaque fois, on a comme l'impression que vous voyez tout le temps le mal. C'est qu'avril est passé. C'est qu'avril est passé. Nous tenons pour raison vers la fin de cette émission. Non, mais. Oui. C'est eux qui voient. Monsieur Azedassou. Monsieur Azedassou, 6 avril s'est passé. Sans être dans qui va vous convoquer à quelle qualité? Vous voulez que je dise? Non. Moi, je pense que sur la question de l'orientation du développement, nous avons tous des vues très claires. Et si, par exemple, des mesures étaient prises pour qu'une élection soit libre, démocratique et transparente, ben nous allons exposer et financé intégralement par le Bénin. Et financé intégralement par le Bénin. Nous n'avons pas eu d'urne venue de du Nigeria. Vous entendrez nos options de développement économique, nos options de développement social que nous avons très claires dans nos esprits. Mais il faut qu'on puisse travailler à les diffuser. Alors, dis-moi, Moussou, la présidentielle, le débat est clos aujourd'hui, puisque dans quelques jours, il y aura les résultats définitifs qui seront programmés par la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, l'opposition doit se tourner les regards vers 2023. Comment doit-elle s'y prendre pour que 2023, qui est également décisif pour 2026, elle ne puisse pas rater le coche? Non, si cette opposition-là a besoin de mes conseils, qu'elle passe à mon agence, et recevoir en tant que patriote. Non, je n'ai pas de conseil à donner à cette opposition. Je n'en ai pas sur un plateau. Et puis moi, mon cabinet... Mais dans votre cabinet, oui. Oui, il faut passer à mon cabinet. Alors, Eugène Azedassou, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la présidentielle est close et qu'il faut beaucoup plus s'armer, s'activer, préparer le terrain pour 2023 de façon cohérente et unifiée? Nous avons à la tête du pays un certain accaparement du pouvoir. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ça c'est clos. Mais les institutions que vous vous êtes dotées à la conférence nationale, comme vous le dites, consacrent l'élection de... Non, les institutions ne sont plus dans l'État. On n'a pas dit à la conférence nationale que 83 députés sur 83 seraient de la mouvance. On n'a pas dit ça. Et ça n'a jamais été fait. Mais ça n'a pas été interdit tout aussi. Tout le monde... Est-ce que spécifiquement ça a été interdit? Tous les pouvoirs qui sont passés... auraient pu arriver... Mais est-ce que spécifiquement ça a été interdit? Azedassou répondit à cette question. Comment? Est-ce que spécifiquement ça a été interdit? Ça a été lorsque on a libéré tous les points de vue. On sait que dans une société, tous les points de vue ne peuvent pas être unanimes. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette option... Il y a eu cette option que tout le monde regarde ce qui va se faire. Et c'est ça la question du consensus. Vous comprenez? Ah, c'est une incantation. C'est une absurdité démocratique. Le consensus est une absurdité dans le concept démocratique. Vous n'avez pas le... Bon, Dissela Moussou, vous aurez quelques secondes. Nous pouvons faire le développement. Vous aurez quelques secondes pour conclure. Le consensus est une absurdité. Si vous permettez, vous aurez quelques secondes. Dans un concept démocratique. Laissez Eugène Azedassou finir. Quand vous dites ça... La démocratie, c'est la loi de la majorité. Quand vous dites ça, vous n'aviez pas le droit de diriger le Bénin en 2016. Vous auriez dû proposer autre chose et faire adopter par le peuple. Mais pas prendre sur vos vues et transformer à l'intérieur des structures qui ont été mises en œuvre. Monsieur Azedassou, vous êtes un professeur. Vous n'aviez pas le droit. Monsieur Azedassou, vous êtes un professeur. Je crois que. C'est possible. Vous êtes un professeur, monsieur Azedassou. C'est possible que vous ayez raison. Mais notez que le consensus est une absurdité pour la démocratie. Merci à vous, chers invités. Je pense que le débat va se poursuivre. De cette manière. Le débat va se poursuivre hors du plateau, juste après le plateau. Vous allez revoir peut-être. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Autour d'un pot. Vous deviez retourner au peuple. Et Eugène Azedassou pour poursuivre le débat autour du consensus. Voilà. Patrice Talon est réélu pour un second mandat. Les résultats ont été proclamés cette semaine par la Cour
constitutionnel, seul juge du contentieux électoral. Le président Patrice Talon est réélu pour un second mandat de 2021 pour 2026. Chers amis internautes, c'était le décryptage du jour sur le scrutin présidentiel au Bénin avec quelques commentaires sur les défis qui s'imposent pour Patrice Talon pour ce second mandat. Nous n'avons pas eu assez de temps pour essayer de voir un peu comment pourrait être composé le prochain gouvernement. Nous aurons d'autres temps d'émission pour argumenter autour de cette question. Merci à vous pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à ce programme télé. Merci à vous, chers amis internautes, une fois encore. Portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie du programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec Maître Abraham Sissidoukoué.